Bonjour à tous et bienvenue sur Chambal Culture. Aujourd'hui, on se retrouve avec la dernière vidéo pour vous montrer comment on fait pour créer une chaîne YouTube et comment vous pouvez la personnaliser. Donc pour cela, on va faire une démonstration étape par étape. On va vous montrer donc comment vous pouvez créer votre chaîne YouTube et comment on fait pour personnaliser votre chaîne. Donc à cela, je vous invite à suivre l'intégralité de la vidéo pour comprendre toutes les étapes. Donc on va faire cette démonstration. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager avec vos amis. Ben pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne Chambal Culture, je vous invite à rejoindre notre communauté en cliquant sur ce petit bouton rouge et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc on se retrouve juste après cette intro. C'est parti. Donc on poursuit notre vidéo. Donc, on va créer donc une chaîne YouTube. On va faire une démonstration comment on fait pour créer une chaîne YouTube. Donc, la première des choses pour créer une chaîne YouTube, donc vous devrez avoir un email. Donc, de préférence, donc ayez en fait un email Gmail. Donc, on va aller donc sur Google. On tape donc ici Gmail, ok. Donc, si vous en avez pas, donc vous aurez donc intérêt de créer un compte Gmail. Donc, on va créer un compte, ok. Donc on clique ici, donc créer un compte. Donc on nous demande est-ce que c'est pour une entreprise ou bien pour vous-même. Donc vous cliquez pour moi-même. Ensuite, donc vous devrez donc remplir ici votre nom. Donc je peux dire ici YJ, ok, YJ par exemple. Donc vous mettez tout ce que vous voulez. Donc je mettrai donc HJ et puis donc vous mettez donc le nom d'utilisateur. Donc pour donc le nom d'utilisateur, vous écrivez en fait le nom. Donc vous pensez ce que en fait vous devrez créer en fait le nom d'utilisateur. Ensuite ici on nous propose d'écrire en fait un mot de passe, ok. Donc vous pensez donc écrivez un mot de passe. Vous savez ce qu'on fait pour créer en fait un email. Donc on le fait vite fait, ouais. Donc une fois vous avez donc créé votre compte Gmail, donc vous avez maintenant une adresse électronique Gmail. Donc vous venez tout juste ici, voici donc l'adresse Gmail qu'on vient de créer. Donc vous copiez votre adresse Gmail, ok. Donc vous le copiez. Une fois c'est fait, donc vous devrez aller sur YouTube. Donc vous tapez YouTube. Ensuite ce que vous allez faire, c'est de vous connecter. Donc on vient tout juste ici, donc on s'y connecte. Donc vous cliquez ici, c'est connecté. Donc je suis déjà connecté, ok. Donc je suis là. Donc voici en fait, on vient de créer en quelque sorte la première partie de notre chaîne. Votre parcours de créateur commence ici. Donc on va donc cliquer ici, commencer. Donc on va donc pouvoir chercher, donc voici le nom. Donc vous pouvez donc choisir comment créer votre chaîne. Donc on va le faire, donc utiliser votre nom. Donc on peut donc soit utiliser un nouveau nom. C'est maintenant, donc en fait je vous montre comment on fait pour créer en fait une chaîne YouTube en 2020. Donc en fait les chaînes YouTube de les années passées, en fait c'est pas la même chose. Donc restez vraiment connecté pour voir toutes les étapes comment on fait pour créer une chaîne YouTube en 2020, ok. Donc je vais vous montrer, restez vraiment connecté pour voir toutes les étapes. Donc nous y sommes, donc à cette étape là où nous sommes, à l'étape où nous sommes. Donc en fait quand vous regardez, en fait ici c'est pas encore une chaîne YouTube. Donc on va pouvoir personnaliser pour qu'en fait la chaîne soit personnalisée. On va mettre tous les ingrédients pour qu'en fait notre chaîne soit performante. Donc pour cela, donc vous devrez cliquer sur ici, donc personnaliser ma chaîne, ok. Donc on clique ici. Donc voici ici, donc on va ajouter une bannière. Donc on va ajouter l'illustre pour la chaîne, donc ici.
Donc ensuite, on va donc ajouter les vidéos. On va donc faire une playlist. Donc pour cela, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter une liste pour votre chaîne. Donc vous devrez cliquer tout juste ici. OK? Donc une fois que vous cliquez ici vous avez donc la galerie de YouTube. En fait, YouTube vous propose des images. Comment vous pouvez donc ajouter en fait cette illustre. Donc je vous ou bien soit vous pouvez donc le télécharger vous-même. Donc voici ou bien vous pouvez prendre une de photos dans sur votre ordinateur. Donc ici donc vous pouvez donc commencer pour un début. Vous prenez soit cette photo. Donc pour vous pouvez prendre cette photo. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez donc utiliser comment vous pouvez donc créer vous-même une illustre de votre chaîne YouTube. Pour cela, donc on va aller pouvoir aller donc on va aller sur un site qu'on appelle Canva.com. Donc vous allez ici tout juste sur Canva. Ensuite, vous devrez donc aller sur la barre de recherche. Donc, vous tapez illustre de YouTube, illustre de chaîne YouTube. OK. Donc ici, il vous montre plusieurs. Si c'est pour gaming, en fait, vous pouvez. Donc, vous avez pour fitness, pour une chaîne de fitness, pour pour des stratégies de joueurs, je sais pas. Donc on peut cliquer soit ici, OK. On clique ici. Donc je vais vous montrer vraiment toutes les étapes qui va vous aider à faire une bonne chaîne YouTube. Donc voici sur cette illustre. Donc vous pouvez donc un instant, on va donc faire une démonstration, on va le faire ensemble avec vous. Donc ici, donc vous pouvez donc écrire ce que vous voulez. Donc par exemple, donc vous enlevez ce qui est écrit ici. Donc je peux écrire travail in war. OK. Donc on fait comme ça. En fait, là je vous montre juste des trucs basiques. Mais vous-même, vous pouvez faire, vous pouvez donc modifier. Donc, vous pouvez écrire cela. Ensuite, pour cela, vous devrez donc télécharger cette photo. On va aller donc le télécharger. OK, donc on le télécharge. Une fois le téléchargement est fini, donc on va donc pouvoir mettre ça sur notre chaîne YouTube. Donc, on va patienter. Donc on va le télécharger tout de suite, enregistrer. Donc on va aller chercher en fait le liste qu'on a ajouté, donc on vient de créer. Donc on va donc l'ajouter ici pour qu'en fait pour donner un bon sens sur notre chaîne YouTube. Donc on va cliquer ici, OK. Ensuite vous cliquez sélectionner pour sur votre ordinateur. Donc on clique tout juste ici. Donc on va aller chercher ce qu'on vient de télécharger. Et voici. Donc on va pouvoir patienter à quoi ça ressemble. Donc ici en fait si vous utilisez un ordinateur, donc notre illustre ça va donc s'afficher comme ça. Si c'est sur une télévision c'est comme ça, sur un mobile c'est comme ça. OK, donc vous cliquez tout juste. Donc ici vous pouvez donc améliorer la couleur. Donc ici, donc vous pouvez donc améliorer la couleur. En fait, une fois que vous cliquez sélectionner, ben on va pouvoir patienter. Donc voici à quoi ressemble notre illustre qu'on vient de télécharger. OK. Donc on l'a mis ici. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc on évolue. Donc on poursuit notre vidéo. Ce qui reste à faire, donc on va pouvoir faire une description de notre chaîne. Donc la description, donc vous devrez donc écrire, vous devrez rédiger un petit texte donc qui vous définit ce que vous faites pour qu'en fait votre audience va regarder, ils sauront directement ce que vous faites sur votre chaîne YouTube. Donc on va donc pouvoir créer une description tout de suite. On se retrouve pour la description. Alors ici donc on va pouvoir rédiger une description.
Donc, qui nous définit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour rédiger une description de votre chaîne, vous devrez cliquer donc sur l'onglet à propos, tout juste ici. Ensuite, vous cliquez donc à propos. Ensuite, ça s'ouvre une petite fenêtre ici, description de la chaîne. Donc, on va rédiger. Vous devrez pouvoir rédiger un petit texte qui définit donc votre chaîne. Donc, moi, je l'ai déjà rédigé, ok. Donc, ensuite, une fois donc vous avez donc rédigé votre texte, cliquez sur le bouton OK. On clique sur le bouton OK. Donc, ensuite, vous devrez donc dire où vous êtes, donc quel pays, donc le pays où vous êtes. Donc, pour mon cas, on va donc écrire un instant la France, ok. Ensuite, c'est fait. Donc, vous devrez donc ajouter les liens de vos réseaux sociaux, ok. Donc, si vous avez des réseaux sociaux, je vais vous montrer comment faire pour ajouter les réseaux sociaux. Donc, ici, on ajoute les liens. Donc, vous cliquez ici. Donc, pour ajouter les liens de vos réseaux sociaux, donc vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 5 réseaux sociaux. Donc, je vais vous montrer. On se retrouve juste. Donc, ici, on va pouvoir ajouter donc nos réseaux sociaux. Donc, pour ajouter les réseaux sociaux, donc vous pouvez ajouter jusqu'à 5 liens. Donc, il suffit de cliquer ici, ajouter. Ok. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'écrire donc le nom de votre réseau social. Donc, on va écrire le nom. Donc, pour ma part, j'écris Chambalt Culture. Ensuite, donc le lien, ok, ce que vous allez ajouter. Donc, vous allez donc sur votre réseau social. Donc, ici, vous prenez en fait le lien, vous collez de votre réseau social. Donc, l'URL de votre réseau social. Ensuite, vous ajoutez tout juste ici. Donc, on a ajouté pour Instagram. Il suffit de cliquer tout juste ici. On a donc ajouté Instagram. Ensuite, vous poursuivez. Donc, on a ajouté Instagram. Donc, vous pouvez encore ajouter jusqu'à 5. Donc, on va ajouter aussi pour Facebook pour terminer. Ok. Donc, vous cliquez tout juste ici, ajouter. Donc, on va le faire pour Facebook. Donc, on va le faire tout juste pour Facebook. C'est fait. Ajouter OK. Oh là là, on va faire pour Facebook tout de suite, un instant. Donc, vous devrez aller sur Facebook. Vous prenez donc, vous copiez le lien de votre page Facebook. Vous ajoutez tout juste ici. OK. OK. Un instant, qu'est-ce qui ne va pas ici? On va donc pouvoir courir. Donc, on vient d'ajouter aussi le lien de Facebook. Regardez. Donc, on a ajouté Instagram, on a ajouté Facebook. Donc, qu'est-ce qui reste encore? Donc, on a donc à propos. Donc, on a la description. On a ajouté la description. Donc, pour créer en fait une chaîne efficace. Donc, la première des choses que vous allez faire sur votre chaîne, ce que vous avez créé, vous devrez donc ajouter en fait une vidéo d'annonce. Donc, c'est une vidéo en fait qui annonce ce que vous faites. Donc, vous allez donc trouver une petite vidéo, donc quelques secondes, au moins peut-être jusqu'à au maximum une minute. Donc, prenez cette vidéo qui annonce les couleurs de votre chaîne YouTube. Donc, on va aller pouvoir trouver cette vidéo tout de suite, ok. En fait, une vidéo qui annonce notre travail, ce qu'on fait sur la chaîne. Donc, on doit ajouter une petite vidéo, donc il va annoncer les couleurs de notre chaîne, donc ce qu'on appelle une bande annonce. Donc, pour cela, on va aller donc vous devrez donc créer une petite vidéo de peut-être d'une minute au maximum qui va juste annoncer les couleurs de votre chaîne. Ok, donc on va aller chercher une toute petite vidéo, donc qu'on a déjà préinstallée sur notre ordinateur. On va prendre la vidéo, donc vous cliquez ici à sélectionner, donc sélectionner dans les fichiers. Donc on sélectionne la vidéo, ok. En fait, ça sera une vidéo de bande annonce, donc on va le faire vite fait. Donc on va pas passer du temps ici, donc on le fait.
Donc, faites tout ce que vous faites pour écrire, pour mettre une vidéo en ligne. Vous écrivez donc le titre de la vidéo, la description, tout ce qu'il va avec. Ensuite, donc une fois que vous aurez mis une vidéo en ligne, donc une toute petite vidéo, vous devrez aller donc sur, vous devrez cliquer sur personnaliser. Donc, on clique ici, ok. Donc, une fois que vous cliquez sur personnaliser, donc vous avez la possibilité ici, on vous dit promouvoir un contenu. Donc pour les abonnés, pour les visiteurs. Donc, en fait, une fois là, vous cliquez ici, ça c'est pour les visiteurs. Donc, votre bande annonce est ici. Donc, est ici. Donc, vous cliquez, vous sélectionnez, enregistrer et c'est fait. Donc, voici la première vidéo. Donc, une fois un nouveau abonné, une nouvelle personne arrive sur votre chaîne, Donc, voici donc ici, la donc, vidéo. Vous voyez, La ça c'est en personne fait voit la donc ici. bande annonce. On a ajouté donc la bande annonce, on a la description. Donc, on peut dire que notre chaîne est déjà prête. Donc, pour cela, on a fait donc le tour. Donc, on a fait une démonstration comment on fait pour créer une chaîne YouTube. Et puis, donc, on a essayé un peu de personnaliser la chaîne. Donc, d'une manière générale, c'est comme ça on fait pour créer une chaîne YouTube en 2020. Donc, voici donc la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye.